enfant, mais c'est une femme quand même. Et c'est bizarre, en fait. Carla, c'est une enfant à l'intérieur d'elle, et c'est très bien, parce que bah, du coup, elle a 21 ans aussi, il faut qu'elle se construise. Mais elle est très mature parfois, et surprenante. Voilà, Carla est surprenante. Alors, un mot pour Giovanni, je vais dire le grand Don Giovanni. Giovanni, ouais, c'est vrai qu'il a eu une histoire assez particulière avec Cassandra, parce que c'était une histoire passionnelle, fusionnelle. Donc, je vais dire, c'est quelqu'un de pur cœur blanc, et ça, je lui ai dit, et je le pense vraiment. Je me suis bien entendu avec Giovanni, pas toujours, mais au final, on se rend compte, en fait, avec le recul, des choses et en fait on voit le vrai visage des gens une fois qu'on a passé vraiment l'aventure là. C'est compliqué, très compliqué, voilà, et j'en dirai pas plus. C'est vrai qu'on a été très maladroits tous les deux dans nos discussions, parce que ben ça a porté vite en bris. Ouais, ben complètement, dans la maison c'était n'importe quoi, je me disais... Et en plus j'arrivais vraiment plus à servir. On en devenait à être méchant, tu vois, ouais. Alors que c'était pas le but. Très compliqué, même dans la vie c'est très compliqué. Charlotte, Chacha, solaire. Ouais, malgré ses coups de gueule, c'est quelqu'un de solaire, et j'aime bien les gens solaires, voilà. C'est quelqu'un qui est positive, j'aime bien ce genre de personne. Ouais, avec Charlotte, ça s'est bien passé. J'ai jamais eu de soucis avec. Anissa. Alors, Anissa, fragile. Attention à la nuance, je vais pas dire fragile, la personne est fragile. Je vais dire fragile émotionnellement. Voilà. C'est vrai que Anissa est justement, ça s'est pas montré dans les épisodes, mais quand elle est partie, je lui ai passé justement un livre que j'ai lu, parce que moi aussi, j'étais quelqu'un qui quand même était quand même émotionnel, qui avait du mal à gérer mes émotions. Donc je lui ai passé un livre justement pour l'aider à tout ça, et j'espère qu'elle l'a lu d'ailleurs. Anissa, attention si tu ne l'as pas lu. Mais voilà, fragile émotionnellement, et je pense que bah, avec le temps, avec l'âge, elle va se construire encore plus, elle va se renforcer encore plus, et c'est tout ce que je lui souhaite. En fait, ce n'est pas quelqu'un de froide, c'est quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, voilà. Pour un être humain, c'est quand même assez compliqué ce qu'elle a vécu. Normalement, un être humain normalement constitué, c'est quand même assez compliqué ce qu'elle a vécu, Anissa, dans sa vie. Donc je pense que, en fait, c'est toutes les expériences qu'elle a vécues qui l'ont endurci, mais justement, qui l'ont tellement endurci que, ben, elle s'est forgée un mur qui est trop solide maintenant. Et il va falloir justement qu'elle arrive à le tailler, ce mur, pour construire son avenir. Oh, très philosophe. Emma, déclic, je pense. Voilà, déclic. C'était quelqu'un qui avait mûri, déjà, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, Emma. Mais oui, quelqu'un commence à être une femme, voilà, il commence vraiment à être une femme, et ça fait plaisir, parce que même quand on parle tout ça, ça fait plaisir à parler avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut maintenant, donc voilà. Et pourquoi tu me regardes comme ça? C'était belle. Merci. Reconstruction, Camille. Ouais, Camille, c'est la reconstruction. Je pense que Camille, voilà, elle a vécu aussi des choses très compliquées. C'est, pour une femme, je pense que ces humiliations-là, personne ne veut les connaître, parce que ça nous fait, à nous les hommes, ben, ça nous fait prendre conscience de choses, parce que même moi, j'ai pas toujours été rose par mon passé avec certaines femmes, et je l'assume complètement. Et en fait, le fait de voir de le voir sous nos yeux, l'impact que ça peut avoir, ben c'est vrai que ben ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est vrai que voilà, Camille, c'est la reconstruction. Tu me manques, bébé. Zéliana, depuis que je l'ai quittée,
Elle a, en fait, elle a grave changé déjà. Elle tient debout toute seule. Même ses expressions sur visage, elles ont changé. Elle comprend de plus en plus de choses. Interagir avec elle, c'est trop mime. Léna Cachotière. Eh oh, tu vas pas nous la faire à nous, Léna, hein? Il arrivait un bouquet de fleurs, tout ça. Non, Cachotière, c'est taquin, mais bon, je pense qu'elle avait déjà son cœur. Son cœur était déjà pris. Donc, après, c'est compliqué de faire une aventure quand ton cœur est déjà pris. Et que, voilà, tu essayes quand même malgré tout, parce que peut-être que ça lui a fait peur aussi, le fait que même son chéri actuel soit dans la lumière, autant dans la lumière, parce que c'est vrai que Léna est dans la lumière, mais son chéri, c'est encore pire. Mais franchement, je lui souhaite que du bon, hein, parce que je pense que son chéri a une grain de folie et ça peut vraiment lui apporter que du bon dans sa vie à Léna. Carla, je l'adore, Carla. Carla, je l'adore malgré que tout ce qui s'est passé. C'est quelqu'un que j'apprécie parce que malgré tout, c'est quelqu'un avec beaucoup de valeur, Carla. Et malgré ce qu'on puisse dire d'elle, j'apprécie énormément. Donc, je pourrais dire enfant, mais c'est une femme quand même. Mais c'est bizarre, en fait. Carla, c'est une enfant à l'intérieur d'elle. Et c'est très bien, parce que du coup, elle a 21 ans aussi, il faut qu'elle se construise. Mais elle est très mature parfois et surprenante. Voilà, Carla est surprenante. Autant ça peut être un enfant, comme ça peut être quelqu'un qui te montre une maturité très importante. Non mais vraiment, je suis trop gênée. Et je suis contente, enfin, qu'on se fasse un petit bisou. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est là où j'ai embrassé Cassandra la première fois. Mais n'importe quoi, j'étais en train de lui dire un secret dans sa bouche. Mais frère. Yannick, il est... Ça, je me suis retrouvé en Yannick à mes débuts dans la télé, donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup soutenu. Bon, Yannick avait un peu la même place que moi dans ma deuxième télé dans les Marseillais, donc je vais dire pas à sa place, je pense. Ouais. C'était pas dans son mood actuel. Ben aussi, mais son cœur était pris, donc tu vois, c'est compliqué aussi. Son cœur était pris, donc c'est compliqué de faire comme si en fait tu étais avec personne, mais alors que ton cœur est pris. Et je le comprends aussi d'un autre côté, parce que peut-être il voulait vivre une expérience. Et donc du coup, le fait de venir là, il s'est peut-être un petit peu perdu. Et donc du coup, c'est vrai que le fait d'être parti avec Laura, ça l'a fait revenir un petit peu à la réalité. Ça lui a fait prendre conscience des choses. Donc prise de conscience, voilà. Tu vois, au final, tu vois, on monte crescendo, et au final, on trouve le fil. Donc voilà, Yannick, prise de conscience. Alors, mari au premier regard, je pense pas, parce que bon, pour moi, le mariage, c'est très symbolique. Je pense pas que j'aurais pu le faire. Après, je ne juge vraiment personne, parce que franchement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et s'il l'a senti, c'est qu'il devait le sentir. Donc, bravo à lui, parce qu'il a eu du courage. Il faut du courage pour faire ça. C'est quand tu vois les gens se marier autour de toi, c'est là où tu te rends compte du symbole du mariage. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'aurais pas pu le faire. Par exemple, ça m'aurait fait trop bizarre, je pense. Ah, Josie, ah, c'est mon frère, Josie. Ah, c'est mon frère. Franchement, Josie, en fait, c'est un mec, quand je te dis un coup de foudre amical, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui est la même que toi, et en fait, c'est juste fluide, en fait, tu vois. Genre, dans tout ce qu'on disait, dans toutes les blagues qu'on se faisait, on rigolait tout le temps. Oh, attends, frérot, je suis désolé. Carla, tu passes pas un entretien d'embauche, là. D'accord, tu es là pour revenir. On est toujours dans le même thème, mais je suis toujours pareil. C'est pour ça. Alors, écoute. Ouais. Mais Josie, après, on a même des histoires qu'on s'est disputé comme des chiffonniers avant de se réveiller le matin, parce que moi, je mettais le réveil sur le téléphone de jeu. Mais le réveil, moi, je le mettais, après, je l'éteignais, le réveil, il ressonnait. L'autre, parce que moi, je faisais le sport le matin. Donc le réveil, je l'éteignais, il ressonnait. Et un jour, un matin, il se réveille. « Oh, tu m'as gonflé! Un réveil se fait pour se réveiller !» Et moi, je le courais partout après, dans toute la maison. Ah, c'était à pleurer de rire. Non, mais c'était un sketch. Eric Ramsey, c'était. Mais franchement, Josie, j'ai passé vraiment une très bonne aventure avec lui. C'est vraiment une très bonne amie maintenant. Et je pense que ça va durer très longtemps. Belle, je vais dire twin, voilà. Je vais dire sœur. Il faut savoir une chose, c'est que Belle n'est pas française, déjà de base. Donc, je me suis retrouvé en Belle, moi, justement, c'est pour ça que je l'ai protégée.
dans cette émission parce que moi, je la comprenais. J'avais le recul. Parce que justement, quand tu ne vis pas en France, tu as une autre culture. C'est comme tout le monde, en fait, chacun a sa culture. Et c'est vrai que ben, au Brésil, ils sont comme ça, ils sont ouverts d'esprit, ils sont avenants et ils s'assument. Et moi, je l'ai compris en fait, parce que moi, quand j'habitais à Londres, c'est complètement, on va dire, cette mentalité-là aussi. Donc voilà, moi, je vais. Et puis, Belle est née le même jour que moi. Donc voilà, je vais dire Twin. Voilà. On peut avoir une explication, Nico ? Petite explication, pourquoi cette musique, pourquoi Belle ? Parce que Belle, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retournées contre elle. Il n'y a que moi parce qu'elle m'a fait des coups à l'envers et c'est normal. Plus ou moins. Mais les autres, tout le monde lui parle, en fait, il n'y a que moi. Je sais, mais il y en a eu plusieurs à plusieurs moments. Depuis le début, c'était ma collègue. Depuis le début, je connais sa défense. Une fois, deux fois, trois fois, elle me fait des coups à l'envers, c'est bon. Julien, et ça va pas lui plaire, Canard. Ouais. Non, mais franchement, Julien, pour une première télé, bah, il a fait jackpot, hein, il a trouvé l'amour et franchement, c'est beau. Là, dans ma tête, c'est le feu d'artifice. C'est plus où tout explose. Je sais pas, j'avais ressenti ça normalement pour moi. Ça vaut rien, un bisou. Et là, en fait, c'est un moment très intime. C'est un moment où je suis très content de l'avoir. Enfin, j'en veux un autre. Alors qu'en vrai, normalement, je m'en moque. C'est bon. Parce que c'est le coup de foudre en plus. C'est pas un petit amour comme ça. C'est le coup de foudre qu'il a pris. Voilà, pleine poire. Bam! Coup de foudre. C'est beau. Et donc, du coup, ben, je vais pas dire Canard, c'est un petit peu vilain. Mais je vais dire chanceux. On va dire pareil que Yannick, prise de conscience qu'elle n'était pas à sa place. Et c'est bien. C'est bien d'accepter. D'accepter que, ben, du coup, on n'est pas à sa place. Chose que je n'ai pas eu le courage de faire, moi, précédemment, dans une aventure précédente. Donc, c'est courageux de sa part. Et bravo à elle. Donc, voilà, je vais dire, ouais, courage, c'est bien. À Lucie, c'est... Et voilà, quand je parle de Lucie, j'ai le sourire. Parce que Lucie, en fait, m'a confirmé ce que je pensais de moi. Et venant d'une personne comme Lucie, c'est d'autant plus, on va dire, ouais, gratifiant. Parce qu'en fait, voilà, Lucie, c'est quelqu'un qui a un recul sur tout, qui est très réfléchi sur tout. Ouais, qui a beaucoup de recul. Donc, je vais dire Lucie merveilleuse. Voilà, ça va être le mot merveilleuse. Parce que même au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre et c'est même pas une langue de bois que je fais ou quoi que ce soit, je sais pas si l'expression est bonne, mais je suis devenu un autre homme, un homme je pense, et puis voilà, je vais dire merci. Je préfère arrêter là Lucie si ça te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je pense que j'ai vécu assez d'émotions là. Tu sais mieux que moi ce qui est juste pour toi, Nico. Ouais. Je voudrais simplement qu'on parle de ces femmes qui t'ont communiqué cette énergie féminine qui est en toi, qui est admirable. Tu as été nourrie par la chose la plus essentielle au monde, par un amour et une connexion profonde. Stéphanie Clairbois, je l'apprécie énormément. Donc je vais dire douce. Voilà, très douce, Steph. Voilà, très douce et très classe. Cassandra, ça a été un peu compliqué. Avec Cassandra, ça a bien commencé. Après, c'était un petit peu compliqué. Et au final, comme Giovanni, en fait, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de bien, au final. Et on s'est dit les choses. On a crevé l'abcès. Personnellement, là, je parle. Hein, je parle pas de son histoire. Je vais dire belle personne. Ouais. Ah, Yasta, elle est plus jeune que moi, mais je vais dire maman. C'est une maman. C'est Benjamin Button des filles. Yasta, ça veut dire qu'elle a une maturité, un recul aussi pareil de par son vécu avec son chéri. C'est une belle histoire d'amour, comme on en voit maintenant rarement, parce que maintenant ça dure depuis un moment. Et Dieu seul sait que dans la sphère de télé-réalité, dans tout ce qui est des médias, tout ça, on voit que pour avoir un couple solide, en fait, les personnes, ben, ils font plusieurs télés, ils font plusieurs aventures avant de trouver vraiment la personne qu'il leur faut. Et franchement, de trouver l'homme de sa vie, qui est Benoît, comme Benoît, de trouver Yasta, et du fait d'avoir un couple aussi solide que ça, ben, je leur dis chapeau, parce que voilà, eux, ils s'en foutent de tout ce qui est médias, de tout ce qui est buzz, télé, tout ça. Eux, ils vivent leur vie à fond et c'est ce qui fait leur charme. Benoît, c'est
Ouais, philosophique. Il est un peu philosophique, Benoît. C'est-à-dire, c'est un sage. Voilà, c'est un sage. Benoît le sage, je vais l'appeler. Ah, Rémi, c'est la banane, Rémi. Ah, Rémi, c'est le sourire du matin au soir. Petit déjeuner, dîner. C'est toujours le sourire, la banane. Et je pense que Rémi aussi, prise de conscience, parce que en fait, il s'est rendu compte que ça y est, il avait passé un cap, on va dire, dans sa vie personnelle. Et que justement, je pense que son bonheur, il le trouvera personnellement et non plus dans la télé-réalité, je pense. Anthony Matteo, changé. Ah ouais, ce mec, quand je l'ai vu arriver, parce que je le connaissais, on s'était déjà vu un petit peu avant tout ça, on se côtoyait un petit peu. J'avais l'impression que c'était le cousin Anto Matteo qui était là. Franchement, un homme, justement, avec sa femme. Il est aux petits soins tout le temps. A changé, on va dire. Ouais. Comme quoi une personne peut changer une autre personne. Et là, c'est vraiment le cas. Roman, on va dire astrologue, c'est l'astrologue de la maison. À Roman, tu n'importe quoi que tu lui dises, t'es un poisson, toi, non? T'es un scorpion, non? Il parle que d'astrologie toute la journée. Tu mets des vêtements, si t'es habillé en noir, t'es un poisson, c'est sûr, parce que le poisson, il s'habille en noir de midi à 14h. Après, il s'habille. Elle te rend fou sur l'astrologie. Elle veut dire astrologue.